Je me présente Pino Palumbo, je suis restaurateur depuis 1994, je suis dans l'HoReCa depuis 50 ans. Nous on est en section restaurateur cette année et je voulais savoir si tu pouvais nous donner peut-être un petit conseil pour qu'on se lance comme restaurateur, bien à ce qu'il faut réfléchir d'abord. D'abord il faut faire ses armes hein, d'abord. Parce qu'il y a un événement essentiel, c'est la comptabilité de la gestion de restaurant. Ça ne va pas de soi, c'est pas comme c'est top chef, ce n'est pas seulement envoyer le plat. Il faut bien acheter la marchandise, il faut cuisiner, il faut savoir envoyer à temps utile, il faut maîtriser la clientèle, c'est fort varié et fort dissipé, ça ne s'arrête pas ça. Donc, à mon avis, je conseille qu'on travaille au moins 4-5 ans, avant 5, 6, 7 ans avant d'essayer de se lancer. Non, c'est peine perdue. Toi, tu fais une cuisine plutôt italienne autour. Moi, je fais de la cuisine italienne artisanale. Voilà. Explique en quelques mots. Je me sers de nos racines italiennes. Je vais voir, je m'informe et puis je transforme à ma manière. Mais toujours avec notre connotation nationale, les plats typiquement italiens. Et tout ce qu'on fait, on fait les produits frais qu'on fait nous-mêmes, on fait notre pâte. Donc on cuisine devant les gens aussi. Voilà. Et les gens mangent aussi ce qu'ils veulent. On leur propose des recettes. Par exemple, nous avons une chaîne sur YouTube et nous proposons des recettes, nous expliquons ce que nous faisons. Voilà. Et quel conseil pour concevoir, par exemple, sa carte, il faut penser à quoi? Vraiment des produits frais? Mais là, ta carte, elle doit être. Elle ne doit pas être exorbitante déjà, elle doit être assez 4-5 entrées, 5-6 pâtes, par exemple, 5-6 plats, c'est largement assez. Ou tu peux travailler le marché, ou tu peux travailler le produit frais. Et puis, vu l'évolution de ta carte, tu peux varier d'une semaine à l'autre. Ça, c'est chacun selon ses propres idées. Voilà. Merci. Hein? Merci, Philo.